Saviez-vous que chaque fois que les musiciens jouent de leur instrument, leur cerveau se transforme en feu d'artifice? En apparence, ils ont l'air calmes et concentrés. Ils lisent leurs partitions et exécutent précisément les gestes qu'ils ont répétés. Mais dans leur cerveau, c'est la fiesta. Comment le savons-nous? Eh bien, ces 10 dernières années, les neuroscientifiques ont fait des pas de géant sur le fonctionnement du cerveau en l'observant en temps réel grâce à l'IRM et au PET scan. Reliés à ces machines, le fait de lire ou de résoudre des maths correspondent à certaines zones du cerveau dont l'activité peut être observée. Mais quand on fait écouter de la musique aux participants, il y a des feux d'artifice. De multiples régions du cerveau s'illuminent en même temps, tandis qu'ils mettent la musique, décomposent chaque élément pour identifier la mélodie et le rythme, et réassemblent tout pour retrouver une mélodie d'ensemble. Et notre cerveau fait tout ça en une fraction de seconde entre le départ de la musique et notre pied qui tape la mesure. Mais quand les scientifiques sont passés du cerveau des mélomanes à celui des musiciens, la petite fête a tourné à la grosse célébration. Alors qu'écouter de la musique déclenche des réactions cérébrales plutôt intéressantes, jouer de la musique est l'équivalent cérébral d'une séance de sport. Les neuroscientifiques ont vu de multiples régions du cerveau s'allumer, traitant simultanément des informations en séquences complexes, interdépendantes et ultra rapides. Mais pourquoi jouer de la musique enflamme le cerveau? Les recherches sont assez récentes, mais les scientifiques pensent savoir. Jouer d'un instrument sollicite beaucoup de régions du cerveau, en même temps, en particulier le cortex visuel, auditif et le cortex moteur. Comme tout entraînement, jouer de la musique avec méthode et discipline renforce ces fonctions cérébrales qui nous sont bénéfiques pour d'autres activités. La différence la plus marquante entre écouter et jouer de la musique, c'est que jouer nécessite une grande dextérité, contrôlée par les deux hémisphères du cerveau. Jouer associe précision linguistique et mathématique, très bien gérée par l'hémisphère gauche, et contenu novateur, mieux géré par l'hémisphère droit. Raison pour laquelle on a vu que jouer de la musique augmente le volume et l'activité des corps calleux du cerveau, le pont entre les deux hémisphères, permettant aux informations de circuler plus vite et par des voies plus diverses. Cela peut aider les musiciens à trouver des solutions efficaces et originales dans le cadre social et académique. Faire de la musique implique aussi de créer et comprendre son contenu émotionnel et son message. Les musiciens montrent de grandes facultés d'exécution, des fonctions liées comprenant la planification, les stratégies et l'attention aux détails, et qui demandent des facultés cognitives et émotionnelles simultanées. Cette faculté a aussi un impact sur le fonctionnement de la mémoire. Les musiciens ont de meilleures capacités de mémorisation, créent, mémorisent et récupèrent les souvenirs mieux et plus vite. Des études montrent que les musiciens utilisent leur cerveau hyperconnecté pour poser plusieurs étiquettes sur chaque souvenir, conceptuel, émotionnel, sonore et contextuel, comme un bon moteur de recherche. Comment savons-nous que tous ces bienfaits sont propres à la musique par rapport au sport ou à la peinture? Ou se pourrait-il que ceux qui font de la musique soient plus intelligents dès le départ? Les neuroscientifiques ont cherché, mais ils ont constaté que les aspects artistiques et esthétiques de l'apprentissage d'un instrument de musique sont différentes de toute autre activité étudiée, d'autres arts compris. Et plusieurs études randomisées de participants qui montraient les mêmes capacités cognitives et neuronales au début ont trouvé des améliorations dans plusieurs régions du cerveau de ceux qui avaient étudié la musique un certain temps par rapport aux autres. Cette étude sur les bienfaits intellectuels de la musique nous en a appris beaucoup sur la fonction cérébrale, ses rythmes intérieurs et ses interactions complexes qui forment l'incroyable orchestre de notre cerveau. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.